Un des faits politiques de la semaine, c'est évidemment l'élection présidentielle américaine. On en parle beaucoup dans les médias, il y a des soirées spéciales un peu partout. Donc on sait que c'est un affrontement entre Clinton, la femme de l'ancien président, et Trump. Donc ce qu'on voit, c'est que malheureusement, c'est un peu comme ici, quoi. On a vraiment l'impression d'un faux choix. D'un côté, donc, Clinton, la représentante classique de la bourgeoisie américaine, des possédants, des plus puissants. Et puis d'un autre côté, on a un Trump, un milliardaire, et à côté de ça, avec tout le fatras d'idées réactionnaires, raciste, homophobe, anti-immigré, avec une certaine agressivité, à la fois un côté ridicule, mais en même temps très grossier. Donc voilà, on a une élection à la fois avec tous ses côtés cirque, comme d'habitude, et puis là, avec un côté quand même très marqué, très inquiétant, hein, avec des menaces de ses discours réactionnaires. Donc ce qu'on voit et ce qu'on a envie de dire, c'est que malheureusement, la population américaine n'a rien à gagner dans ces élections-là. C'est un véritable faux choix. Hein, d'un côté, donc, une milliardaire au service des plus riches, et de l'autre côté, un autre milliardaire ou un autre très riche au service du camp des riches. Donc voilà, mais ce qu'on voit aussi surtout à travers tout ça, c'est que du côté, quand on voit le discours de Trump, ce qu'on peut mesurer, c'est tout le désarroi d'une population, parce que mine de rien, le match était un petit peu serré, même si le suspense n'est pas énorme. Enfin, ceci dit, Trump aurait peut-être des chances de gagner. Donc on voit bien le désarroi de la population américaine, des plus pauvres en tout cas, des plus victimes de la crise, qui seraient tentés par un vote de ce style-là. Donc c'est tout le résultat de 8 ans d'Obama. Hein, où il y a eu de l'espoir, où il y a eu tout un discours à un moment donné contre les inégalités sociales, pour développer un système de santé qui profiterait à l'ensemble des travailleurs, contre le racisme dont sont victimes largement quand même les populations noires. Et bien on voit que c'est tout le contraire qui s'est passé. La politique d'Obama, c'est une politique comme les autres, hein, au service des plus riches, au service des banquiers, des capitalistes. Donc une politique qui évidemment a aggravé les inégalités sociales. Aujourd'hui c'est plus de pauvreté, plus de précarité, plus de chômage pour l'ensemble des travailleurs américains. Alors la politique d'Obama, c'est aussi, c'est pas seulement en tout cas des attaques contre la population, de la misère et du chômage, c'est aussi une politique internationale détestable, hein. Enfin, en tout cas contrairement à ce qu'il pouvait laisser entendre, le pouvoir Obama a renforcé les interventions militaires, les a multipliées, et aujourd'hui encore ce sont des bombardements, notamment du côté de Mossoul. Donc on voit que les reniements du Parti démocrate, ça va jusque là aussi, et ça contribue à alourdir l'ambiance et à faire que du côté de la population, il y a beaucoup de confusion et de désarroi. Mais c'est aussi pour les communautés noires ou hispaniques, encore plus victimes et plus de racisme. Et puis on le voit aussi dans la question des prisons, évidemment, plus de prisonniers. Puis évidemment, ce sont ces minorités-là qui sont les plus concernées par ça. Donc on voit le résultat d'une politique d'Obama qui est dramatique pour la population, et c'est sur ce terrain-là que se développe la désespérance, un désarroi, une confusion dans les esprits, et on comprend bien que des démagos comme Trump puissent récupérer tout ça, mais un peu comme ici, on peut faire le lien quand même, ça y ressemble de beaucoup, hein, comment des Sarkozy, des Le Pen, hein, toute une frange de droite et même d'extrême droite peut récupérer le désarroi de l'ensemble d'une population archi-victime de la crise. Donc voilà, les élections, malheureusement, je ne sais pas, ce n'est pas non plus un grand scoop, mais ça ne sera pas une solution pour la population américaine. Mais ceci dit, l'Amérique aujourd'hui, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que ce cirque électoral, ce n'est pas que ces richesses d'un côté et puis cette pauvreté de l'autre, c'est aussi un espoir, et l'espoir, c'est notamment des résistances, des luttes qui existent aujourd'hui, même si ça en parle peu. Il y a eu pas mal de batailles pour des minimums de salaire, des taux horaires à 15 $ par exemple, il y a eu des batailles qui ont été payantes, dans le commerce notamment, et puis il y a aussi des résistances contre le racisme, hein, Black Lives Matter, hein, c'est un des exemples, hein, où une population, une partie de la population se réorganise et essaie de se défendre, hein, parce que ces derniers temps il y a quand même eu pas mal de scandales, de saloperies de la part de la police américaine qui tue carrément de sang-froid des jeunes noirs américains. Donc il y a une réaction par rapport à tout ça, et en même temps dans un contexte de misère sociale énorme. Donc l'espoir il est là, il y a une résistance, il y a des batailles qui ont lieu. Alors l'espoir, c'est aussi la campagne de Bernie Sanders pendant les primaires, où on a bien vu que les idées du socialisme, les idées contre les inégalités sociales, et puis même d'un combat contre la rapacité des capitalistes, ça a eu beaucoup d'écho, notamment parmi la jeunesse américaine. Donc ça, c'est rassurant, parce que ça montre que ces idées-là, elles existent là-bas aussi, et qu'il peut se passer beaucoup de choses. Donc dans une situation de crise économique très profonde, il peut y avoir à un moment donné, évidemment, une jeunesse et puis des travailleurs américains et même évidemment des populations noires et immigrées qui peuvent retrouver le moral pour se battre derrière ces idées-là. Donc c'est un espoir, et de toute façon l'avenir aux États-Unis, mais comme partout, hein, ça dépendra en grande partie
et de la capacité de la population à prendre ses affaires en main, à se battre et imposer un véritable partage des richesses, et puis mettre un coup d'arrêt à toutes ces politiques au service des plus riches.